Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour unboxer la blissime du mois de juillet-août. Je viens de recevoir la double box et donc j'avais peur de ne pas la recevoir à temps. Mais on regarde ça ensemble tout de suite, c'est parti! Alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, ça me fera plaisir. Et laissez-moi un like aussi à la fin de la vidéo. Alors on regarde ça ensemble. Nous étions sur le thème de l'heure bleue. Si mes souvenirs sont bons, je me suis quasiment pas spoilée. J'ai vu un ou deux visuels par mégarde hein, en passant sur les réseaux. Alors par contre ce que je sais, cette histoire de sac... En parler deux secondes du maxi cabas qui avait l'air magnifique, voilà, qui on devait recevoir les produits dans un cabas bleu et blanc tie and dye que nous n'aurons pas. À la place, nous avons ce petit bon d'achat de 15 € sans minimum d'achat sur le shop avec le code Summer Love. Donc c'est de quoi nous faire patienter jusqu'en septembre puisque nous recevrons le maxi cabas en septembre. C'est une offre réservée aux abonnés de la box d'été effectivement. Moi je suis un petit peu déçue parce que effectivement le cabas de l'été bah je l'attendais pour l'été pas pour septembre. En plus il avait l'air canon, ils en ont fait une pub incroyable. Mais bon bah voilà, on l'aura pas tout de suite, c'est pas grave, on patientera. Par contre de là à utiliser le bon de 15 €, je suis pas sûre. Pour moi c'est pas forcément une compensation parce que ce qui me gêne maintenant sur le site de Blissime, c'est les frais de port. Donc oui, il n'y a pas de minimum d'achat, mais quoi qu'il arrive, vous allez avoir des frais de port à moins de dépasser, je pense, 50 €. Donc, on va voir. Allez, on arrête de blablater. Nous avons le petit livret. Alors, on avait le choix d'un produit make-up. On avait le choix entre trois couleurs de vernis. On va regarder... Ah, mais c'est carrément la pochette bulle, quoi. Alors, bah, on va ouvrir ça. La boîte est comme ça à l'intérieur, donc ça c'est l'emballage cartonné. Hein. Il est l'heure de plonger dans le grand bleu. Alors moi j'adore le bleu, je suis fan. Thème vacances, mer. Ça fait un peu... Donc c'est la double box, hein. Elle regroupe les produits de juillet et août. Ça veut dire qu'on est censé avoir une petite dizaine de produits. Hein. Ben, je vais commencer par le vernis justement que j'ai choisi. Voilà, il s'agit du rouge à ongles, le vernis à ongles. Moi, j'ai choisi la teinte Ménilmontant. Voilà, donc c'est le petit lilas. Très joli, cela dit. Alors, est-ce qu'on regarde en même temps les infos sur le petit magazine? Oui, on va se faire ça. Donc, vous voyez ici, vous aviez les trois teintes au choix ce mois-ci. Il y avait un rouge, un rose très clair et puis ce petit lilas. Moi, comme j'ai déjà des rouges, des roses, bah écoutez, j'ai pris le lilas. Donc, il est vegan, made in France, à base de plantes et promet une tenue longue durée. Donc, ça, c'est cool. N'oubliez pas bah, la base protectrice et le top coat pour la fixation. En format vente, il est à 19 € le vernis. C'est 8 millilitres. Pardon. Je prends un petit format de l'Aqua Merveilleuse de Sanoflore. Donc ça, c'est cool parce que je ne l'ai jamais testé. Ah, c'est un peeling botanique, correcteur, ridules et irrégularité. Donc c'est tout à fait le genre de produit que j'aime utiliser. Sanoflore, c'est bio. On a de l'extrait de bourgeon de hêtre bio et l'hydrolat de Mélissa officinal bio. Alors, agiter avant usage. On va juste sentir, hein, je ne vais pas me faire le petit peeling. Ça sent légèrement, vous avez un petit bouchon perforé pour pas mettre trop produit. Ça sent un peu les plantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'Aqua Magnifica? Lotion Aqua Merveilleuse, pas Aqua Magnifica. Hein. Donc là, c'est 50 ml, hein, le format que j'ai reçu. Le format vente fait 200 ml et est quasiment à 28 €. C'est toujours sympa. Cette lotion Made in France, certifiée bio et vegan, est un peeling quotidien pour faire peau neuve. Extrait de bourgeon de hêtre et de totum de mélisse bio. Sa texture biphasée, eau et huile, mais on ne se rend pas compte là comme ça, qui apporte une sensation de fraîcheur et de confort. Résultat, elle stimule le renouvellement cellulaire, diminue les rides et affine le grain de peau. Tout ce qu'on veut. Agiter pour mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse. Appliquer généreusement matin et soir sur un coton. Utiliser la lotion en cure d'un mois pour faire peau neuve. Bon, et ben écoutez, ça c'est cool. Je continue. Lait nourrissant. J'aime bien le packaging et les couleurs. C'est très estival. C'est très sympa.
Donc c'est un lait corps nourrissant SOS Nourishing Body Lotion. C'est de la gamme Hydra Muse à la banane jaune et beurre de karité. 99,5% d'origine naturelle et végane. Cadalys, c'est une marque que j'aime bien, qu'on reçoit de temps en temps. Un lait aux actifs nourrissants et apaisants pour une peau douce et confortable. Sa texture légère pénètre rapidement et laisse la peau délicatement parfumée. Appliquée généreusement sur peau propre et sèche. Nous avons un 100 ml. Alors, c'est operculé. Mais écoutez, il me plaît bien, je pense que je vais l'ouvrir juste pour sentir l'odeur. Alors, où es-tu le lait Cadalys? Parce que là, il y a pas mal de produits. Donc, lait corporel à la banane, idéal pour avoir la peau douce et souple toute l'année. Donc, ses ingrédients clés. L'action anti-âge, du bioactif de la banane jaune, régénère, répare et raffermit la peau, du beurre de karité pour réparer et de l'huile de rosier muscat pour réduire les taches pigmentaires. Sa compo 100% vegan et sa texture légère qui laisse la peau délicatement parfumée. C'est un format vente, les amis. Le format vente est au prix de 17€ pour les non-abonnés et 14,45€ pour les abonnés. Allez, sentons ça. Ça a l'air d'être une texture assez, assez crémeuse. Ah, ça sent pas vraiment la banane, c'est très léger. Bon, ça n'a pas une odeur hyper forte. Mais la texture est très agréable, oui, ça hydrate bien. Ça hydrate bien, c'est doux. C'est soyeux. Donc, on y va. On continue. J'attrape un gel hydratant, gel crème hydratant de la marque Respire. Donc, toujours made in France. Je ne connais pas ce produit qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vendu, c'est un format vente, hein, 50 ml. Il est vendu au prix de 15,90€ pour les non-abonnés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un gel crème pour le visage. Hein. Vous avez une grosse contenance. Il y a l'extrait de millepertuis, de l'huile d'amande douce, de l'acide hyaluronique. Ça a l'air sympa ce truc. Votre peau retrouve son éclat, vous voilà de bonne humeur pour démarrer la journée. Écoutez, c'est plutôt un beau format hein, pour une crème visage. Voilà, là il veut. Ah, c'est pas operculé, on va pouvoir découvrir la texture, donc c'est gel crème, donc c'est l'idéal en été, ce genre de truc. Enfin, en tout cas pour ma peau mixte, moi. Ça a une odeur fraîche très agréable, très douce aussi. Ah, j'aime beaucoup. Bon, ça va encore me faire plein de produits à utiliser tout ça. Je continue. J'attrape ce petit produit qui est une crème solaire SPF 50 de la marque 71. Donc c'est une marque que je n'ai jamais testée. C'est un format vente qui est vendu normalement 22,90€ pour les non-abonnés. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? On a la crème de la haute protection naturelle 100 nanoparticules. Ses filtres minéraux et sa résistance à l'eau, qui respectent l'épiderme et l'environnement, en font un excellent bouclier SPF 50 contre les UVA et les UVB. Elle s'utilise sur tous les types de peau, même grasse et mature. Merci, ça fait plaisir. Faites chauffer la texture et massez jusqu'à ce que le léger voile blanc soit à peine perceptible. À l'origine de la marque, deux amis qui ont créé des cosmétiques répondant aux besoins spécifiques des surfeurs. Quelques années plus tard, tout le monde a adopté ces produits nomades made in France qui respectent l'homme et l'environnement. On va regarder de suite la texture. C'est l'Eco Sun Shield Invisible. Pour l'été, c'est l'idéal. Je la mets sur le bras. Vous pouvez la mettre sur le visage. Alors, effectivement, ça fait un petit film blanc. Il faut, voilà, le masser et le faire pénétrer. Et ça disparaît. Elle n'a pas de fini gras. Ah, elle a une odeur un petit peu... Moi, ça me fait penser à de la noix de coco. Un genre de noix de coco, on dirait. Résistant à l'eau, en plus. 99% naturel, made in France. Bon, bah, on dit oui, quoi. On dit oui. On peut pas dire non à ça. Voilà pour 1, 2, 3, 4, 5e produit. Donc, si je ne me trompe pas, on en est à la moitié. On attrape le suivant. Ah bah, le suivant, je le connais bien. Enfin, je le connais. C'est le soin Maroconogle. Donc, c'est une petite fiole. Bon, c'est marqué échantillon. Hein. Vente au détail interdit. Donc, c'est une petite fiole de 10 ml. J'aime beaucoup les produits Maroconogle, notamment leur après-shampoing. Leurs soins sont exceptionnels. Ils ont une odeur incroyable et ils sont d'une efficacité. Je reprends. Donc, le soin Maroconogle, qui est une huile hein, pour les cheveux. Testez et approuvez ce produit iconique sans attendre. Cette huile best-seller de la marque fait briller vos cheveux comme jamais. On adore ses nombreux bienfaits. Il démêle, assouplit, aide au coiffage et rend les cheveux doux. Côté multifonction, ce soin s'applique aussi bien sur les cheveux humides que secs. Sa fragrance ambrée, signature de la marque, est à tomber. Donc, le format vente fait 100 ml. Je ne sais pas si vous allez voir ici la grosse bouteille.
Nous, on a le 10 ml ici. Le format vente est au prix de 48 euros. Eh ben, dis donc, pas donné, hein, Moroccan Oil. Évitez des racines, démarrez sur les pointes, puis remontez sur les demi-longueurs. Je vais juste sentir ça, Moroccan Oil. Alors, c'est une huile assez épaisse, quand même. Bon, effectivement, ça sent bon les vacances, quoi. Un petit peu ambré. Voilà pour les cheveux. Allez, on continue. Je crois que c'est encore pour les cheveux. Reboot Mask Reconstituant. Donc oui, c'est la marque Brave New Air. Je crois que j'ai déjà reçu celui-là. Hein. Peut-être pas le Reboot, qui répare les dommages de la chevelure et confère une autre hydratation. Donc nous avons une miniature de 50 ml. Le format vente fait 250 ml et est au prix de 14 euros. Donc ce masque va réparer en profondeur vos longueurs. Il booste la brillance de vos cheveux, restaure la structure interne de la fibre, lisse les longueurs et apporte une bonne dose de douceur. Pas de silicone ni d'ingrédients d'origine animale. Laissez poser sur cheveux humides 5 minutes et rincez. 5 minutes, ça va. Après avoir repris la pharmacie de son père, la créatrice de cette marque a voulu répondre aux besoins de ses proches avec des ingrédients innovants. Une à deux fois par semaine, il recommande. Bon, écoutez, ça c'est bien. Voilà, je suis pas emballé, mais bon. C'est quand même un beau format pour les cheveux. Ensuite, j'attrape le deuxième produit make-up. Ça a l'air d'être un gloss ou un rouge à lèvres de la marque Emco Beauty. Ça a l'air d'être un full size, oui, de 4 ml. Alors, c'est une huile à lèvres hydratante, un gloss quoi. Peachy Babe ou Peachy Nude. Il y avait deux teintes. J'ai reçu quelle teinte moi? La Peachy Babe. C'est bien, c'est plus... La plus pêche, l'autre elle est plus rosée. Un gloss brillant à la senteur et au goût gourmand de pêche. Sa formule, elle est enrichie en huile de fruits naturels pour adoucir et hydrater les lèvres en profondeur. On aime sa texture non collante, il s'applique très facilement et apporte une explosion de couleur dès la première couche. Il est vegan et cruelty free. Emco Beauty, je connais pas cette marque, hein, est la première marque de beauté australienne de luxe. Abordable, de qualité, sans cruauté et végétalienne. Ok. Bon, je me suis déjà mis du gloss, alors je vais peut-être pas m'en mettre par-dessus, mais on va le swatcher sur la main quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de teinte? Ça m'a l'air assez discret tout ça. Hein, ça sent effectivement la pêche, un petit peu chimicos. Bon, je suis pas... Bah, c'est bien, moi, c'est vraiment, ça rajoute une petite teinte naturelle un peu plus soutenue à vos lèvres. Bon, en été, on met pas forcément grand-chose de plus hein, à la journée. Donc oui, je trouve que ça rentre bien dans la box. Ça fait le vernis pour les ongles, ça c'est cool, le gloss aussi. Ça rentre bien dans le thème estival. Voilà, après, c'est pas une marque qui m'emballe plus que ça, la Peachy Gloss. Je viens d'attraper un petit produit de 15 ml de la marque Bioderma. C'est l'Hydrabio Sérum. C'est donc un sérum. J'allais dire, j'ai déjà reçu quelque chose d'équivalent. C'est un sérum que je connais. Hein. Je vous montre le format vente qui est ici, que j'ai déjà acheté par le passé, qui est très bien. Le format vente est à 40 ml et il fait 20 euros. Là, on a 15 ml. Après, c'est pas mal. 15 ml pour tester, on n'est pas loin d'avoir la moitié du full size. Donc oui, on n'est pas loin des 10 euros de produits dans ce petit tube. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent de ce sérum concentré hydratant Hydrabio? Son brevet biologique Aquagenium, qui aide à retenir l'eau dans votre peau, stimule son hydratation naturelle. On adore sa texture fondante rafraîchissante, son effet lissant et booster d'éclat qui sublime tous les types de peau. C'est vrai que ça convient à tous les types de peau, donc dans ce sens-là, c'est plutôt intelligent de l'avoir ajouté dans la box. Et en été, oui, on a besoin de s'hydrater, faut pas se dire, on saute toutes ces routines habituelles. Faut quand même, moi ma peau réclame le plus, c'est vraiment en été. Pas en hiver, étonnamment. Appliquez matin et ou soir sur peau propre, seule ou avant votre crème. Effectivement, si vous avez une peau mixte à grasse, seule, ça peut faire le job. Alors que si vous avez la peau sèche, ça sera en pré-crème, quoi. Vous le mettez avant votre crème. Donc, dans votre sérum, il y a de l'acide hyaluronique, évidemment. Il y a du xylitol et de la glycérine, bien sûr. Trois actifs hydratants qui comblent le déficit en hydratation et qui permettent de retenir l'eau pour maintenir une hydratation optimale, les filles et garçons. Donc ça... On valide. Un petit sérum, c'est pratique, on dit yes. Nous arrivons au dernier produit de cette double box Blissim du mois de juillet-août. Ce ne sera donc pas une découverte, puisqu'il s'agit du Deep Sleep. Bon, je n'ai pas arrivé à le dire. Du Deep Sleep. 1, 2, 3. Du Deep Sleep. Ah putain. Deep Sleep, c'est impossible à dire. Deep Sleep Pillow Spray. Deep Sleep Pillow Spray.
Essayez de le dire très très vite, hein, vous allez voir. Bon bah ça je le connais, j'ai déjà utilisé. Moi j'aime bien, c'est un spray qui sent la lavande, hein. C'est un spray d'oreiller. Mais du coup, je pense que je vais l'emmener pour les vacances, tiens. Parce que moi qui adore les sprays d'oreiller, j'en ai pas mis dans mes bagages. Je vais le mettre. Faut aimer la lavande, hein. Donc moi, là, on a un petit format de 5 ml. Hein. Sachez que le format vente, c'est le 75 ml. C'est un plus gros format qui est au prix d'une vingtaine d'euros. Hein. Quelques pchits et vous voilà relaxés, prêts à plonger dans les bras de Morphée. Donc ces actifs clés de l'huile essentielle de lavande, de vétiver et de camomille sauvage 100% naturelle pour vous détendre. Vaporisez sur votre oreiller ou votre couvre-lit avant de vous coucher. Spray d'oreiller Deep Sleep a été récompensé à plusieurs reprises pour son efficacité. C'est le garant d'une nuit réparatrice. Oui, hein, nous on aime tout ce qui fait mieux dormir, ce qui détend. On a découvert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 10 produits de cette double box blissime du mois de juillet-août sur le thème de l'heure bleue. Alors, je vous lis le petit édito quand même pour finir, puis je vous donne mon avis, bien sûr. Ciel bleu sans nuages, mer calme et douceur de vivre. L'été est là, et cette année, on compte bien en profiter. À l'horizon, du bleu à perte de vue, dans lequel on rêve de plonger, on prend le temps de ralentir, de faire un plein de soleil, et on profite de ces 2 mois magiques. D'Ibissa à Santorin, on embarque son grand cabas. Ouais. Couleur mer qui accueillera tous vos essentiels de l'été. Ah oui, d'accord. Et oui, quand ils ont prévu l'édito, bah ils savaient pas qu'ils allaient avoir un petit souci logistique au niveau du cabas. C'est dommage parce que bon, ça nous fait rager une fois de plus. Donc dedans, on a le descriptif des produits et puis je vais vous marquer la valeur totale quand même des produits. Puisque là, du coup, pour 2 mois, bah, ça nous a fait 27 euros à peu près, hein, le prélèvement. Donc, on a payé 27 euros pour ça. Je vous mettrai la valeur exacte de ce qu'elle contient. Globalement, je suis contente. Je trouve que c'est une bonne sélection. Il manque effectivement le petit accessoire. Il manque le petit truc en plus. Ça aurait été parfait avec le sac. C'est la Jenny du montage qui revient. Post-vidéo, je voulais quand même vous signaler un truc que je viens d'apercevoir dans le magazine, puisque moi ça m'intéresse grandement. C'est une édition limitée qui va venir, qui s'appellera Perfect Waves, donc avec Babyliss, et on retrouve un curler. Moi j'adore ce truc-là, je pense que je vais me la prendre celle-là. Donc voilà, je sais que l'édition limitée du Temps pour Soi avec Blissim et Soi, la marque Soi, est déjà sortie. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas vue encore sur le site. Oui, c'est à venir sur le shop. 3 produits l'accompagnent pour former une routine parfaite. Un boucleur signé Babyliss, facile à manier même pour les débutantes. Donc c'est vraiment pour faire l'effet wavy. Bon, voilà. Je vous laisse. Globalement, les produits que je préfère dans cette sélection, moi, ça va être la partie skincare. Pour une fois, je suis contente d'avoir un Lécor. C'est pas toujours le cas, mais là, le Lécor Cadalis me plaît bien. Le gel crème respire aussi. La crème solaire 50 aussi. La quoi merveilleuse aussi. Bon, globalement, côté soins et corps, je suis comblée. Voilà, je suis comblée. Un petit bémol pour le masque à cheveux. La marque Bioderma, bon, c'est le fait que ce soit le sérum, c'est bien. Ça aurait été une crème, j'en aurais eu marre. Et le vernis aussi, je suis contente. En gros, la déception, pour moi, c'est ces 3 petits produits. Ça va être le masque capillaire que je pense avoir déjà reçu. Le gloss qui, bon, je suis pas emballée. Alors pourtant, j'aime les gloss. Hein. Et puis le Deep Pillow Spray, je l'aime bien. Le Deep Sleep Pillow Spray, je l'aime bien. Mais je l'ai déjà eu. Donc voilà, c'est les 3 petits produits qui me plaisent le moins. Mais dans l'ensemble, c'est une belle box. Dites-moi si vous trouvez que c'est une belle box. Dites-moi surtout si vous l'avez reçue. Parce que moi, d'habitude, je la reçois beaucoup plus tôt. Là, on est le 12 juillet et je l'ai reçue aujourd'hui même. Dites-moi, vous, si vous l'attendez encore. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets éventuellement mon lien de parrainage vers la Blissim si vous êtes intéressé pour vous abonner. Vous pouvez toujours vous abonner pour la sélection de l'été, mais vous pouvez aussi vous abonner pour le mois de septembre, pour la prochaine box. Voilà, les filles et les garçons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, bonnes vacances! Bye!